We are here in the Gags Warehouse, where we've invited a family of prankster for an interview. Yeah, a family of prankster. Denise is a very famous prankster who did over 200 gags. She has 4 kids, and they've all done pranks before. You might know Maude, who has done some of the most famous pranks ever. The brother of the family is Antoine, who is the perfect accomplice in crime in many of our pranks. Then there's Mathilde, the funniest girl ever. Finally, the baby of the family is Rebecca, who has had the role of the mischievous little girl, starting her career very young. It was a super cool interview and so much fun, and I hope you'll enjoy this. Here's the first part of the interview. Le gag que j'ai préféré faire, en fait, je pense que c'est le gag où je joue du bolo. Je devais avoir 14 ans. La pression que j'ai eue, je me suis pratiquée probablement pendant 3 semaines à jouer au bolo constamment, sans cesse, pour justement pas avoir de difficultés rendues sur le plateau. Mais donc, il fallait que je réussisse à jouer au bolo comme sans regarder, puis longtemps, fait que la pression était assez grande, je te dirais. Mais le résultat final est quand même drôle, on a eu des bonnes réactions, puis à faire, ben c'est ça, c'est un défi, on s'est intégré. Une fille de défi. Ouais. Je suis bien, je suis une performeuse. Certainement pas celui où j'embrassais Dani Mani à plusieurs reprises. C'est surtout lui qui avait beaucoup de plaisir à m'embrasser. C'est ce qu'on a en commun, Antoine et moi, avoir embrassé Dani Mani. Ouais, mais toi, hein? T'as aussi embrassé les plus vieux. Lui au rapporté. J'ai le gag où je demande à un homme, dans ce cas-ci, de surveiller ma voiture. Je m'en vais, et donc j'étais pas là tout le long du gag. Mais je m'en vais et pendant ce temps-là, il y a un tracteur qui arrive puis qui détruit l'auto, mais comme ça n'a pas de sens. Fait que j'ai comme pas d'interaction avec la personne, mais à l'écran, les réactions des gars, ça n'a pas de bon sens, là. Ils sont comme virils, ils demandent, tu sais, je leur demande de surveiller mon char. Fait que quand le gars arrive puis qu'il détruit mon auto, c'est comme si c'était eux qui venaient de se faire détruire complètement. Il y a un monsieur qui lance des roches au tracteur. Ça, vraiment, ça, c'est un de mes gags préférés dans la livraison à l'écran et non pas dans ce que moi j'ai fait là-dedans. Là. J'allais dire tantôt, mais mon autre gag préféré, c'est le quand on est tous dans un centre d'achat au food court. On est tous là, il y a la victime qui est assise devant nous et on fait exactement la même chose que ce que la victime fait en miroir face à elle. Fait qu'elle se lève la tête et elle a 12 personnes devant elle qui font exactement la même chose. C'était à ne rien comprendre, les gens ne comprenaient pas. Puis c'est qu'on est tous là. Denis Levasseur, Marie-Pierre, Bouchard, toi t'es pas là, Maude est là. Ben si je suis pas là, on est pas tous là. Hein. Jean-Michel. Même, là. Non mais les gens qu'on aime sont tous là. Ah ok. Non, mais tu sais, il y avait quelque chose de vraiment le fun, vraiment le fun, puis on a mangé gratuitement toute la journée. Ben oui, moi, celui que je me souviens le plus, c'est moi puis Maude, là. Dans le fond, on était dans une gig, une toilette sèche, puis j'entrais dans la toilette pour finalement voir Maude en ressortir, mais c'est ça, si tu veux que je t'explique la gag, c'est un peu complexe. Non, ben c'est comme si tu changes en... Oui, c'est un peu comme si j'étais changé en femme finalement, mais c'est Maude qui ressortait, c'était pas moi déguisé en femme. Maude ressortait, elle aussi déguisée dans le fond. Ouais. Parce que t'as pas l'air d'une fille en vrai. Parce que t'as pas l'air d'une femme, non. Ouais, c'était marquant ça. Ouais. C'est celui dont on parle le plus dans nos parties de famille. Pourquoi? Parce que c'est drôle de voir Antoine? Ben, parce que ça nous rappelle l'enfance d'Antoine. Honestly, this family is just hilarious. They never stop fooling around and being funny. We have more of this interview for you next Friday, when you'll find out the best behind-the-scenes stories they have for us.